revois mes potes de lycée et dont pour certaines que j'ai pas vues depuis au moins 2-3 ans. Du coup là c'est le moment de catch-up pour moi, des années de vie. Pourtant ça fait bizarre parce que ça fait tellement longtemps, je me dis c'est possible et c'est normal, mais tu sais que on est évolué et que du coup on se rend compte que on est plus trop dans les mêmes vibes, les mêmes objectifs et tout. Donc à part Agnès que j'ai vue récemment, les autres je sais pas trop comment ça se passait, mais bizarrement j'ai pas trop d'inquiétude. Comment tu fais pour te tenir? Attends, mais moi j'ai pas acheté mon strapon. Tu vas me concentrer. Voilà, regarde, je tremble. C'est parce qu'on a fait trop d'exercice de jambes. Mais je vais trop tout seul. Oh non, tu peux pas, j'ai tongué les chaussées. Ah, c'est bon, ça se voit pas, il fait nuit. J'ai posé les mêmes bails. Hein. Ah, je suis ravie. Attends, mais non. Non, mais en fait, je l'ai trop poussé. Ça y est, oui. Ah, la saison va déboucher. Je pense que là on peut dire qu'on voulait vraiment se revoir et que évidemment arrangé. Non, ça fait deux semaines qu'il y a des France, mais ouais, moi aussi c'est un peu. J'ai raconté vraiment tous mes collègues qui sont au courant qu'on se voit ce week-end. Enfin, c'est le portable qui raconte sa vie à tout le monde. On va peut-être se rendre compte qu'en fait on a plus rien à se dire. Bon, écoute. Ah, là, je prends la vie, hein. Mais en vrai, c'est trop pour. Je vais me mettre la pleurer. Si ça arrive, je vais me mettre à pleurer. Donc, tu sais qu'Agnès, elle nous mettait toujours des plans. Non, mais pas toujours en vrai. Hein. Ah, très souvent. Très, très souvent. Même mes parents vous s'en souviennent. Exemple, je veux des exemples. Bah, à chaque fois, la fois de Kinali, tu disais que tu venais pas. Ah. À chaque fois, on était avec Elsa. À ces retrouvailles depuis ensemble, je pense que ça s'est jamais fait. Hein. C'était soit avec l'un ou l'autre. Je suis trop contente. Mais jamais ensemble. La route. Par contre, y a pas de place pour une troisième personne, désolée. Si. Croquant. Yes. Toi, quand t'es réveillé. Ça va être bizarre, en vrai, c'est perturbant. Comment on appelle ça, là, les émissions Il y a un des objectifs, c'est de partir toute seule à un endroit genre où genre, je sais que ça va être compliqué de parler en anglais parce que les gens comprennent pas. Bah, va voir dans des petits villages et tout. Vas-y, frère, je vais faire ça. Je pensais de conseiller, là, c'était très compliqué car il n'y avait pas de taxi. Et deuxième chose, c'est de définir l'objectif. L'objectif chiffré, on nous donne, etc. Non mais je vous avais pas vu tout à l'heure, je sais pas du tout. De commencer à partir de la déco de ma maison. Genre d'imaginer comment ça va être. Ça va coûter tellement cher. Oh là là, ce sera incroyable. Ah ouais. Ça tout coûte tellement cher, même les trucs pour les trucs d'interrupteur, c'est tellement cher. Après maison, vraiment, si on avait 06 33 80. Attends, t'as du voir? Je me prends une photo comme la meuf à côté, s'il te plaît. La tête de la meuf. C'est bon. Même les sœurs Brontë, regarde. Oh, tu prends une de mes potes après. Regarde, la tête. Oui, ça.
Camilla, la peste. C'est bien. Ben, je l'ai jamais lu en fait. C'est un peu la honte quand même. Je crois Elsa m'en avait offert un, je l'ai jamais lu. En fait, j'avais tellement lu, mais à force de faire des allers-retours, j'en perds, j'en ai. Et je crois que je mets encore à la maison. En vrai, je sais pas, je pense que je suis une meuf romantique. J'aime trop les livres romantiques. C'est sûr. Ça fait longtemps que t'as pas vu ta vie. Ça va? Ça va? Diamond River. The Bluebird's Peace. Tu mets pas le son en dessous. Alors, à tous les coups, je vais me tâcher ou j'en suis, j'en mets sur mes mains partout. C'est beau. Diminue ton dit. Oui. Moi, je dis, faut commencer directement avec la peinture. Hein. J'ai failli mettre le pinceau dans mon thé. Ah. Wow, oui. J'ai mis de l'eau. Attention à ça. C'est fait. Trois pressions avec vous là. Moi, je. Ça va être assez intéressant au niveau de la gestion de frustration là. Parce qu'on est en train de faire un truc et qu'on doit arrêter. En fait, je pense qu'on est émotionnellement investi dans notre truc. Bravo. Parce que vraiment, quand ça sonne, on pense des pinceaux. Hein. Il n'y a pas de je termine ce que j'ai en train de faire. Vous reprendrez dans 3 tours quoi. La question aussi, c'est de savoir qu'est-ce que l'autre a voulu faire pour pas lui niquer son truc, genre. Bah non, tu mets un peu son idée. Non mais justement, c'est le but. Moi je vais réfléchir à ça. Bah justement, c'est qu'on n'aura pas du tout la même interprétation et c'est même bien d'ajouter son truc. Ouais, c'est vrai. Allez, hop. On montre du coup. On arrête hein. Oui. C'est bon. Allez, on joue le jeu. Il y a de la peinture. Ok. Putain, vous faites des trucs trop beaux par rapport à moi là. Allez, on donne. Je vois trop un paysage de nuit. Et what? C'était couleur sombre. Ah si, pour moi c'était grave couleur sombre avec les menhirs en haut de la colline. Ah ouais, je suis avec Du coup j'ai commencé à penser un truc là, j'avais l'image d'un ruisseau et je me suis dit on pourrait un truc grave stylé avec un ciel rose. Je voyais vraiment ciel rose par contre. Finesse, il y a mieux. Moi je pense vaut mieux faire. C'est des gens très matures mais liés à des traumatismes souvent. Ah. Parce qu'en fait pour moi quand t'es mature. Moi aussi je pense.
Ouais. T'es confrontée à des situations que tu devrais pas affronter à cet âge-là et qui fait que ça t'oblige à grandir en maturité, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. Après, il y en a, je pense que c'est peut-être naturel. Je sais pas, où, avec l'interaction avec des gens avec qui ils sont, ça les fait grandir. On va dire par expérience perso, c'est surtout le premier cas. Oui, oui c'est... Je me disais, j'ai envie d'être stable et bien 100% avec moi. Enfin, je le suis, mais comment dire. Il y a des trucs que je veux pas reproduire avec mes enfants, tu vois. Oui, bah oui, pareil. Et du coup... Ouais, enfin, tu vas souvent, sans le faire exprès, tu vas reproduire ce que t'as vu autour de toi. Mais peut-être que j'aurais changé les formes, non, parce que ça fait bizarre. Parce que ça t'apporte d'autres choses, d'autres... un autre effet miroir. Donc en fait, je pense que c'est des choses que tu vas pouvoir régler que quand la situation va se présenter. Et tu peux... En fait, ce qui est bien, c'est... Quand j'aurai des gosses, par exemple. Quand ? Que quand j'aurai des gosses, par exemple. Aussi, je pense. Il y a des choses que tu ne vois pas maintenant, tu verras plus tard. Ouais, c'est ça. Mais si déjà tu as conscience de... Ah ok, bon, je vois que je suis comme ça, bah ça aide. Bah après, les émotions, ça c'est un truc... Mais moi, j'ai envie d'apprendre à le faire. C'est un apprentissage sur le long terme, de toute façon il n'y aura jamais de fin, mais moi ça m'a beaucoup aidé. Maintenant je sais les choses sur lesquelles je dois travailler. Oh, c'est dur de travailler dessus, enfin, je sais même pas sur quoi je travaille. Bah en fait ça dépend de tes objectifs. Mais il faut arriver à identifier, enfin, je sais pas comment dire. Bah en fait c'est tout un ensemble, mais je pense que t'as des sous-catégories, tu vois. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, voilà, donner des détails. Bah quel aspect d'elle t'aimes pas? Oui. Et après tu vois, ok, j'aime pas ça. Ouais, j'aurais fait. Et toi, dans quelle, enfin, tu vois, chez elle, dans quelles circonstances ça arrive? Qu'est-ce qui la trigger un peu? Et tu vois, toi, tu demandes à tes potes ou autour de toi, à quel moment ils identifient une réaction similaire. Ouais. Et tu essaies de voir le lien entre toutes ces situations. Ouais. Tu dis, ok, bah c'est souvent quand il se passe ça ou quand je me sens comme ça que j'agis comme ça, tu vois. Ouais, et ça permet d'avoir un peu des alarmes de, ok, là je suis dans une situation. Ouais, je fais gaffe. Ouais. Mais bah...